Pixel Barbecue, plutôt visiteur de Pixel Barbecue. Nous sommes toujours à Cologne, à la Gamescom, avec Plume. Oui, c'est moi. Ouais, c'est moi. Ouais. Salut Plume, tu vas Salut. Bien bah, très bien, ma foi. Il fait un temps magnifique sous cette verrière. Et dehors aussi. Et dehors aussi, mais bon, on a passé plus de temps à l'intérieur. Est-ce que t'as vu Gamescom Plage? Non. Ah, il y a un endroit où ils ont mis du sable et il y a un simulateur de surf. Ah oui, 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 il était l'année dernière déjà. Si quelqu'un va sur Gameblog, vous verrez, Julo se pète la gueule quand il essaye. Voilà. Alors, Gameblog, parlons de Gameblog. Parlons de Gameblog, on est venu en force, on est venu foutre le feu à la Gamescom. Il y a Julo, Raon, Fumble et Guigui, le caméraman, qui sont là. J'ai croisé Raon 15 fois aujourd'hui. Voilà, c'est normal, ils n'ont pas arrêté. Moi, par contre, j'ai rien foutu, je me suis fait masser. Ensuite, j'ai été boire un coca. Tu as filé combien pour le massage, toi? J'ai filé 11 euros, exactement. Oh, tu as été généreux. Ouais, j'étais généreux parce que c'est 10 minimum. Mais c'était super cool. Hein. Franchement, je le conseille à tous les gens qui sont à la Gamescom et qui portent un truc et qui en ont marre et tout ça, ou qui n'ont rien à faire. C'est vachement bien, vraiment. Et sur Gameblog, qu'est-ce que tu fais? Là, j'essaye de trouver des rendez-vous, mais j'ai tout annulé parce que je préférais me faire masser et boire un coup. C'est quand même plus agréable. Mais ce que je fais, je fais le même taf que les autres, sauf que je le fais gratuitement et qu'en plus je suis enchaîné à la fin. Ah, c'est super chouette. Oui, bien sûr, il me frappe, si je travaille pas bien, crois-moi, je prends un sacré savon. Alors, c'est quelle ambiance chez Gameblog? Nul à chier. Voilà, c'est tous des connards, fini. Je vais parler sérieusement. C'est super ambiance chez Gameblog, mais la plupart je les connais depuis plus de 10 ans. C'est des potes, donc je vais pas. L'ambiance elle est forcément très bien quoi. Si on parle dans le feu de l'action de la Gamescom, il y a un peu des tensions parce que il y a des trucs qui sont un peu relous à gérer, des trucs admin sur le site, des trucs qui vont pas. Moi j'arrive pas à me servir de mon Mac, enfin voilà, tout ce genre de conneries. Mais enfin, non. Au niveau de Gameblog, on a l'impression que ça monte. Ah bah oui, c'est peu de le dire. L'année prochaine, on remplit Bercy et on fait un concert, je pense. Génial. Comment s'appelle votre groupe? C'est une bonne question, les Ménestrels. Les Ménestrels, ouais. C'est cool. Ouais, je pense que The Ménestrels, ça pourrait être pas mal ça. Ça pourrait être bien ça. Like a Geek. Ah ouais, avec Julien qui chanterait et tout, ça serait bien. Ça serait très très beau. Et tiens, moi je suis curieux, mais comment dans la vie t'as aimé le jeu vidéo? Alors là, c'est très simple, j'ai un grand frère qui a 11 ans de plus que moi, donc quand j'étais tout petit, mais vraiment minuscule. Non, toi, je suis désolé de l'apprendre, mais tu n'étais pas prévu alors. On peut dire, je le savais déjà. Quand j'avais genre 2-3 ans, on avait déjà une console, un truc genre une bingo, je crois. C'était un truc avec Pong, du hockey, du basket, et c'était juste des barres comme ça, avec le petit carré à pousser. Et je jouais avec lui, mais mes doigts avaient du mal à tourner les trucs, mais j'essayais quand même. Et ensuite, quand il venait me chercher à la maternelle, il me faisait jouer à un jeu d'arcade qui s'appelait Kangaroo, qui était une espèce de Donkey Kong mais avec un kangourou. Et puis après, on avait des Game & Watch et tout le tralala. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu je sais pas combien d'ordinateurs, dont mon Amiga que j'ai encore aujourd'hui avec 500 jeux, un truc comme ça. Et quand il y a quelqu'un qui t'influe un petit peu, qui t'influence un petit peu au-dessus de toi, qui est beaucoup plus vieux et qui adore ça aussi, du coup je suis tombé dedans très petit. Effectivement. Bien, merci. j'ai envie de dire merci à vous. J'espère que j'espère que votre idée de Pixel Barbecue, ça va bien marcher, que ça va prendre, que toute la Belgique va s'enflammer pour vous. Eh bien merci. Nous l'espérons aussi. Merci à toi. Merci, bonne journée, bon courage. Ouais, merci, bye. We'll be right back.